Bon. Fait qu'on ramasse du vinaigrier. Ben, du vinaigrier. Du sumac de vinaigrier. Et puis, c'est ça, ça pousse dans les pentes abruptes. C'est très abrupt. C'est très de la gravelle. Puis c'est pas tout le temps accessible. Mais là, ici, on est au pied de la montagne du Mont-Saint-Joseph. C'est à peu près la place où il y en a le plus. Puis qui est accessible, puis qu'il n'y ait pas plein de poussière, parce que souvent ça pousse sur le bord des routes. Puis c'est le genre de plante, c'est comme plein de petits poils, là. Fait que ça accumule bien gros la poussière dans le milieu, partout. Tandis que lui, ben, il est beau. Puis sinon, ben, les fruits, ils sont pas super gros cette année. Puis même qu'il y a bien des endroits où j'en ramassais avant qu'il n'y en a plus. La raison, c'est parce que pour eux autres, c'est comme du mauvais herbe, fait qu'ils coupent tout ça. Fait que ça vient dur à trouver. Mais en bas de la côte, il y en a, là. On va en trouver d'autres ailleurs. Hein? Ok, ils sont petits, tiens. Ouais, lui, il est petit, mais là, tu sais, j'ai comme les mains rouges. Regarde. Ouais, il est beau. Regarde. Oh, c'est cool. Ça fait une couple d'années qu'on ramasse du sumac, puis que on a beau le ramasser début été, milieu été, après une pluie, avant une pluie, dans une canicule, même en hiver. Fait que c'est ça, c'est arrivé juste une fois, parce que quand on l'infusait, ça faisait vraiment rouge. D'habitude, ça fait tout le temps une espèce de jaune, douteux, poussiéreux un peu, mais le goût est quand même là. C'est juste que là, je pense que cette année, on a quelque chose de bon. Puis à retenir, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de pluie. Puis là, ça fait 3 jours qu'il fait beau. Anouk, elle rit de moi. C'est pas cité, ça paraît pas, Anouk, là, mais... Tu sais, ici, c'est droit, mais là, il y a genre comme 5 pieds de creux, là. Et t'as-tu de la mouche, toi? Calique, hein? Je veux lui là-bas là. Je veux pas tomber dans le trou là. Là. Aïe aïe aïe. Le sumac dans le fond. Nous autres on ramasse ça. Ça a un goût vraiment fruité. Acide, acidulé, c'est de l'acide malique. On peut voir que ben, ça ressemble à ça. Anouk le coupe avec un couteau, mais ça se casse aussi avec le pouce comme ça. Puis juste faire attention, il y en a, pas moi ni Anouk, là, mais il y en a qui sont allergiques au latex. Parce que quand on casse une branche, c'est un peu comme un pissenlit, il y a toujours du latex dedans. Fait que nous autres, ce qu'on fait, on va prendre toutes les. On va appeler ça des cocottes, là, les fruits. Parce que le fruit, c'est pas ça exactement. Le fruit, ça se trouve à être la petite boule. On n'y a qu'un. Le fruit, ça se trouve à être ça. C'est une petite boule comme ça. C'est un noyau entouré de poils. Puis la partie comestible, c'est les poils. En fait, c'est ça qui donne le goût. Ça se vend comme épice aussi. Puis nous autres, ben c'est ça. On va le faire sécher en cocotte comme ça. Après ça, on va tout défaire les cocottes. Puis on va tout séparer les noyaux des poils. Puis on va garder juste les poils. C'est pour ça qu'on en ramasse beaucoup, parce qu'au final, il reste vraiment pas grand-chose. Mais c'est ça. Puis cette année, comme je disais, il y a de l'air d'être rouge, là. Pour moi, une bonne année. Puis c'est parce qu'il a plu tout l'été. Puis là, ça fait 3-4 jours de beau temps qu'il y a. Quand le cueillir, ben... Ben ouais, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas que ça soit vert dedans. Ça. Lui, il est même brun. Là. Comme lui, comme ça, c'est moins bon, là. Ouais, c'est limite. Parce que on voit qu'il y a plus de vert, ouais. Là. Ok, on s'en va, il y a ton mouche. Ouais, je suis d'accord. Salut. Un truc hallucinant, il y a une chenille là. Suspendue, on est en plein milieu de la route. Est-ce qu'on la voit bien, là? C'est ça. Tiens, je vais la prendre. Ah, tombé. Elle était sûrement suspendue après l'arbre, mais c'est quand même drôle.
Oh!